Eh bien salut, c'est Régis, on se retrouve pour le 8e et attention, dernier épisode des Royaumes Perdus 2. Alors pourquoi dernier épisode? Je l'expliquerai un petit peu plus tard. On doit rejoindre les plaines de Rowal, mais avant on va retourner vers Bashir pour aller donner à Jarvi toutes les fées rouges qu'on a trouvées jusqu'à maintenant. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir. Nous irons aussi au magasin revaloriser quelques cartes, c'est pas grand chose. Puis nous continuerons l'histoire. Donc tout le long de la série, j'avais dit, je me suis posé la question d'ailleurs... Est-ce qu'on fait juste l'histoire de base? Donc au début j'étais parti que sur ça. Ou est-ce qu'on va plus loin? Wow, 43 fées! Faut bien me donner des cartes, voilà. Donc finalement on va faire que l'histoire principale, l'histoire de base. On va pas aller plus loin. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses à faire encore à côté. Énormément de choses, là je suis allé. Franchement j'ai fait que 30% du jeu, même pas. Boutique de cartes. Juste faire l'histoire parce que comme je l'ai dit, c'est juste pour présenter le jeu à ceux qui connaissent pas parce que le jeu est vraiment méconnu. Que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Il y a énormément de choses à faire, on peut passer beaucoup de temps dessus, surtout si on fait le 100%. Cela a débloqué pas mal de niveaux, mais il reste énormément de niveaux aussi encore à débloquer. Alors, on va révaloriser quoi? Dans les feux, un Charlie Bouchon qu'on va révaloriser en démon majeur. Ouais, pourquoi pas. Alors lui il est bien, c'est une carte de type arme qui fout pas mal de dégâts, mais ça permet de nous soigner en même temps, donc ça c'est cool. L'éléphant qu'on va transformer en éléphant roi. Oh, ça rigole plus. Hop là. Les plantes, mandragore, je peux toujours pas. L'elfe, qui peut se transformer en seigneur elfe. Elfe vraiment très puissant. Donc il me le faut obligatoirement. En outre, on a rien, on a rien. Ok, on peut quitter. On va reconstruire notre deck. Et on va pouvoir y aller. Alors, ça fera encore un épisode long. Voilà. Pour ceux qui avaient envie des épisodes longs. La pioche. Parce que sinon, je m'arrêtais vers la fin, quoi. Il aurait resté quoi 6 minutes d'épisode et ça aurait été fini pour le prochain. Quoi. Je vais tout finir maintenant. Alors, en feu. J'ai fait un démon. Je vais le prendre. Tout ça on va garder. En haut on va garder. Ouais on garde. Le squelette on laisse comme ça. Éléphant, ça se bat, on va prendre l'éléphant roi maintenant à la place. Golem de pierre, on va garder les transformations au cas où. On peut en avoir besoin. En plante, est-ce que j'ai fait un truc? Oui, le seigneur elf. La mort. La mort. Allez, non, trop tire. Voilà. Ok. On est parti. Donc, on va vraiment passer... Enfin, repasser vite fait sur ce niveau. Ça fait partie de l'histoire. Si tu te rappelles, il y avait une porte fermée. Et il y a un garde qui nous a donné le joyau. C'est la reine qui lui a dit... Donne-lui le joyau. Eh ben, on a le joyau, on va pouvoir y aller, tu vois. Ouh, mes petits dragons. Ah, c'est monstre puissant. Les dragons. Hop. Histoire 2. Avoir un petit peu d'action quand même. Hein. Voilà, vous vous démerdez avec lui. Moi, je me casse. Donc, on va pouvoir ouvrir cette porte. Alors, il y a des trucs comme là-haut. On peut aller au-dessus de l'eau. Là-haut, il y a une carte au fond grâce à l'oiseau. Tu te rappelles, j'avais parlé, il y avait un coffre qui était facile à avoir, mais j'avais dit que c'était une merde, c'était au niveau du pont, et qu'il y avait une carte qui était bloquée, donc maintenant on peut y aller. Il y a énormément de choses comme ça qu'on peut y aller. Il y a des nouveaux niveaux. Bah du coup qu'on... Oh, il coûte cher quand même l'elfe. Hein. 16, alors je vais prendre ça. Il y a des épreuves, et à la fin, il y a une grosse épreuve. Vachement dur. On va prendre ça. Vous êtes la carte du dieu de la destruction. Notre première carte de la divinité. Parfait. On a déjà affronté un. Deux golems de sabot. Ok, j'en ai 5. Alors, est-ce qu'on fera des visites? Je peux faire des vidéos bonus. Je sais pas si ça t'intéressera. On va retourner à l'NG. Mais si c'est des vidéos bonus, ça sera les deux vidéos bonus pour faire un chiffre arrondi de 10.
Mais ça sera vraiment un truc vite fait. C'est-à-dire qu'on verra vraiment les niveaux, mais à la va-vite. Qu'est-ce qu'on va poser? Bon, toi, t'es un peu nul, toi. Voilà. Et les marins, on y va. On doit aller retrouver Sol, qui nous a aidés. On ne sait pas ce qui s'est passé, du coup. Et la carte de Dieu, en fait, va me permettre de pouvoir passer la grosse porte là-haut où on était bloqué. Ah tiens, il y a une fée là. Bon. Allez, on va la prendre juste pour le fun, ça ne sert plus à rien. Très bien. Donc, il va falloir appeler notre Dieu. Par contre, j'ai rien en neutre, du coup, je vais payer un peu cher. Let's go. Le jugement final. Très belle carte. Le dieu de la destruction. Ouais. Allez, expose-moi tout ça. Boum! Voilà l'astuce en fait, c'est détruire les quatre. Et il n'y a que le dieu de la destruction qui peut le faire. Oh shit. Oh. Alors. Ça sert à rien là-haut. Ok, je vais me casser par là. Machine. Salut, messieurs. Enfin, machin. Un truc pour voler, voilà, il y a encore une petite zone. Entre guillemets secrète. Pareil dans le truc de glace, on est, si tu te rappelles, il y a longtemps. Il y avait un dragon bleu. Qui était sur une petite île parce qu'il y avait de l'eau. Pareil, il y a des cartes là-haut à aller chercher. Il y a des fées rouges. Pff. Énormément de choses à faire. Franchement, si le jeu te plaît, achète-le ou même. C'est sur GameCube. Hein. Ou même tu peux l'avoir sur émulateur, donc si t'as un bon PC, tu peux jouer au jeu. Moi j'ai essayé de jouer au Royaume Perdu 1, même pas la peine, mon PC tient pas, en même temps j'ai un gros PC de merde. Le juste truc bien de mon PC, c'est qu'il a 1 Tera de place, de données. Ça c'est cool. Après le reste, à 6 visions AMD, please. Oh putain, et oh putain, casse-toi. Wow. On va les couilles, je t'affronte pas. On avance. Hop. Encore de la machine. On bat les steaks. Voilà. Musique stressante. Merde. La porte. C'est plus sympathique quand tu ouvres la porte. Oh, attends, il y a des cartes ici. On va aller le prendre plus fun. Pas mal de transformations aussi de monstres à faire. Ah, franchement, je pourrais pas tout montrer. Hein. Donc tu me diras pour les vidéos bonus. Vraiment vite faire. Ça sera des... Des condensés, je pense. Merde. Des petites vidéos qui durent 10-15 minutes. Je montre un peu l'ampleur du jeu, je montre pas le niveau en entier. Pour te faire baver. Et tu me diras ça. De toute façon, vous n'êtes pas si nombreux à regarder cette série. Je m'y attendais un petit peu en même temps. Hop là. Oh, Sol. Sol est au sol. Non, c'est fini, rigole. Il est mort? Ça va être un épisode assez triste et assez beau. Hein. Ouais, il est mort. Il est très pixelisé aussi. Je suis le seul qui m'aidait. On a le droit de deux cartes. Hop. Triblaster et chariot bot. On a même des cartes de transformation, on a énormément. Beaucoup, beaucoup de choses à voir. Allongé tour du roi du milieu. Ok. Alors il y a des cartes qui ne me servent plus à rien. Ça me sert. Je crois que ça me sert encore ça. Ces deux-là me servent plus à rien. Le vampire, tiens, on va le prendre. D'ailleurs, je vous expliquerai un truc avec le vampire après. Bah c'est tout, hein. Je vais prendre qu'une carte. Ouais. Deux transformations? Non, j'en ai gardé qu'une normalement. Ah merde. Toi, on t'enlève. Et on va prendre une autre carte.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Phoenix, il coûte trop cher. Allez, vite fait, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va pas un monstre indépendant, ça serait cool. Bon, allez, toi, hop, viens avec moi. Hop, on y va. Eh oui, on est arrivé à la fin de l'histoire principale. D'ailleurs, j'étais un peu vite. Finalement, ça fera peut-être pas un épisode long. Enfin, là, il y a une grosse partie, là. Là, il y a du dur, là. Oh. À 18, le vampire. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Débilos, va. Alors, on a une petite porte là-haut. Le principe est simple de ce niveau. Va falloir affronter quelques petits boss et désactiver les interrupteurs pour lui, le, entre guillemets, le sauver. Alors, un monstre glace. Enfin, eau. Pareil. Ah, j'aurais pu dégager le dieu, tiens, aussi, il ne sert plus à rien. Du coup, on va appeler des monstres feu. Putain. Coûte cher aussi lui. Hein. Tiens. Tiens. Foiré là. Ta gueule. Alors j'ai des monstres. Attends, j'attends qu'il tape. Voilà. T'as plein d'images, je regarde. Tape-le. T'as ton coup. Il est cool. Mon Charlie Bouchon. Monstre feu. Et encore un monstre feu. En fait, là j'ai plein de cartes, ça coûte assez cher. Oh, il y a un truc là pour le golem. Oh. Pouah. Attention, attaque rapide. Je vais garder mon dragon. C'était bientôt mort. Ouf. Je prends ça, je prends ça. Bon. Non, j'ai envie de le garder mon dragon. Voilà. Et voilà. Pas bien, je peux revenir. On va désactiver ça. Ici, on va casser le muret. Faut que j'enlève le dragon d'abord. Voilà, je vous dis. Hop là. Voilà. Un coffre, une fée rouge. Je vais te prendre ma belle, t'inquiète pas. Voilà. Toi, j'ai plus besoin. Putain, ouais, 16 quand même. Oh, oh, oh. Faut vraiment que j'ai de la pierre magique, hein. Hop, on va regarder ça comme ça pour le moment. C'est cette porte-là, ouais. Deuxième mini-boss. De type feu, ok. Volet sauvage. Ouais. Prends ça dans la gueule. Ouh. Oh, oh, oh. Prends aussi ce lancer de rocher. D'ailleurs, je l'ai boosté avant. Pour être sûr que t'as beaucoup plus fort. Oh putain. Oh, on se calme. Et on devrait te finir. Même pas. Ok. Mon Charlie, tu vas y aller. Tu vas le tuer. Check tes feux. Hein. Vous êtes feux tous les deux au moins. Pas chier. Tue-le. Oh, il l'esquive. Oh, allez, sérieux. Eh, mais je vais pas l'esquiver non plus. Vas-y, tue-le. Eh, mais. Merci. Putain. Complètement con, c'est mauvais. J'active. Pas de passage. Encore une fée rouge ici. Hop. Et on avance. Deux coffres. Oh, de la machine.
me faites pas chier. Un rébus. Et des pierres magiques. Ok. Tout, 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 tout. Un feu rouge là-haut. Un autre mini-boss. Alors, quel type? Neutre. Bon, on va appeler lui. Hein. Souffle de feu. Enfin, les neutres n'ont pas de faiblesse. Oh, elle a pris cher. Hop. La gueule. Ah merde. Du coup, j'ai fait rater mon. Oh, c'est pas grave, il est mort. J'ai fait rater mon autre monstre. Niveau 21, niveau 30 maximum, je rappelle. Il y a la maîtrise des éléments. Oh là là. Chose qui est dure, hein, j'ai pas réussi à faire. Sur ma partie d'origine, j'ai tout au maximum, sauf la mécanique, j'ai 1. C'est trop dur d'avoir tout. Je sais même pas si on peut tout avoir. Oh. Bonjour. Hop. Te dérange pas pour moi, hein. J'invoque des monstres. On va être tranquille. Casse-toi. Empoisonné. Ça non. Elle le maîtrise bien, mais on va appeler notre dragon quand même. Gloire verte. Boum. Yeah. Ah bah elle a le temps de tuer les autres monstres. Merde. Encore un passage là. Mais il n'y a pas de. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas le truc pour casser. Dernière porte. Ah bah, justement le vol. Ok. Je fais quoi? Souffle de glace. Merde, je voulais faire la queue. Oh, c'est bon. Dégage. Prends cher, mon gars. Oh, 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 oh. Hop, un monstre. Ah, j'ai eu moins en feu. Ah, il y a enfin. Wouah! Ouais, picouze! Ouais, il fait bobo! Tempête démente, progrès. Ouais! Oh! Voilà! Aïe, ça fait mal! Niveau sûr, bon, parfait. Ça va être PV. On est ici. On va désactiver ça. On va mettre le golem de pierre. Et on va aller au petit passage qu'on avait vu. Encore plus lent. Parce qu'on a le temps encore devant nous, mais bon. Logiquement, on a le temps. On n'aura pas ça pour rien. Tata. Allez, trouve-moi ça. Voilà. Hop, hop. Alors, Kezako. Une carte, Sphinx. Et une fée rouge. S'il te plaît, donne-moi des pierres magiques. Ça serait cool. Une carte, ouais. Pourquoi pas aussi. Comme c'est pas de la vie, je suis au maximum. Bon, on a dû tout désactiver. Je vais regarder par là. Ouais, c'est bon. On va aller voir le bouffon. Le roi Louis, le roi Sibos. Bon, je vais pas me faire chier. J'ai des cartes qui ont cramé. On va les dégager. Comme ceci, par exemple. On va prendre les nouvelles. Le bus, l'hydre. Ouais, voilà. Hop. Oh putain. J'ai eu son poing. Salut toi. Il y a deux petits coffres à prendre. Bon. Je vais pas les prendre. Invocation. Hop. Hop. Et voilà. S'enfuir, ni de se cacher. Mais que n'y ai-je pensé plus tôt ?
Il me suffirait de me servir de la pierre runique. Je vais être roi, seigneur de l'univers. Tu vas voir qui est le maître, petite voleuse de pierre runique. C'est pas le roi Louis, c'est le roi Léod. Non, parce que pareil, quand il est moche. Qu'est-ce que tu fais dans la machine? Boum! Oh, t'as pris cher avec toi, hein. Eh oh, dégage, 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 dégage. Lâche-moi! Qu'est-ce qu'il fait? Il veut me violer! Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Tiens, enfoiré là, c'est ta femme monstre. Boum de poison. Je connais pas. Peu importe. Ouais, voilà, ça c'est comme le mandragore. Donc, un monstre, tu te démerdes avec. Il est où mon autre monstre? Il est en train de pousser l'autre ou quoi? Oh, ouais. Ça fait rire, ça te pète. Ça te pète. Tiens! Lève-toi, volé sauvage. Crève. Toujours pas mort, il est résistant. Et il va encore me violer. Hein. par contre, j'ai presque plus rien là. Oh putain, c'est que des cartes qui me coûtent cher. Parfait. Voilà. Je vais prendre les cartes maintenant. On l'a tué. Hein. Licorne. Ah, une carte transformation. Salut toi. Je t'ai même pas vu de la partie. Hein. Enfoiré, tu m'as laissé seul. Et deuxième carte. Oh, un dragon rouge. C'est bon ça. On se casse. Fin du niveau, deux cartes. Ouais, bah, et en même temps, j'ai pris cher à cause de l'autre con là. Belzébuth. Oh, on peut les avoir en carte. Et agresseur DX5. Alors, maintenant on a accès au dernier niveau. Alors, j'ai deux stratégies. Soit on le fait à la mode normale. Parce qu'il va y avoir le on va dire entre guillemets le boss final. C'est pas vraiment le boss final. Un boss. Mais il y a deux strats en fait. C'est mode normal. Donc on le tue simplement, sans triche. Et il y a le mode one shot. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On fait les fifous, on fait le mode one shot. Et ben on va faire le mode one shot, allez. Un petit peu de skill si je puis dire, ou de glitch. D'abus. Voilà à quoi va servir le vampire. Oui, une seule carte suffit. Mais avant je vais sauvegarder au cas où si je me rate. Ça serait mieux. Enfin te le montrer. Alors je sais pas si c'est un glitch ou c'est une technique vraiment utilisée hein. Et ça one-shot le boss. Donc, on va rien voir du boss si je réussis. Allez on y va. Chargement en cours. Alors en fait le principe est très simple, donc je sais pas si c'est un glitch ou vraiment une technique. Il nous faut la carte vampire, bon là je l'ai hein, j'ai pris ça dans mon deck. Utiliser son attaque spéciale numéro 2. Qui s'appelle sort de mort, je crois qu'il y a un truc en rapport avec la mort. Il faut avoir le bon placement sur le boss. Si on est bien placé, on lance cette attaque et le boss est one shot. Quand il y a des cartes à aller chercher, hein. On va se faire chier. On pourra revenir plus tard. Je crois que le boss y a rapport avec façon tout le temps. Même si encore un peu d'histoire par l'arrière, histoire secondaire, la nouvelle map. Plein d'autres cartes, plein d'autres férous, plein de secrets, des défis, tellement de choses. Bah, si je vais combattre tout seul, avec une seule carte, ma vieille. Alors, encore des escaliers à monter, on est arrivé là. On est arrivé. Je suis le dieu de l'armure. Confiance. Ne crains rien. Tu seras...
sera bientôt soulagé de ton fardeau. Fille d'humain, tu connaîtras la paix éternelle. Rejoins ton créateur. Viens à moi. Alors oui, ça rigole pas, hein. On va combattre une divinité. Une divinité qui va pas faire mon feu. Ah, sors de mort. Allez, est-ce qu'on est bien placé? Boom. Et voilà. One shot. Et pourquoi refuses-tu ta mort, ton one shot? Tu es embarrassé, c'est ça? Donc voici la petite technique pour le one shot. Sinon, il est extrêmement résistant quand même. Il a raison, hein. L'être humain détruit tout. Un roi 3 cartes, on en a tué qu'un monstre, un roi 3 cartes. Dragon acide et deux wyverns. Bon, le dieu, on peut pas l'avoir, hein, bien entendu. Et bien voilà, c'était le boss, entre guillemets, final de cette histoire cinématique. J'espère que Rashianou et moi, on sera amis pour toujours, pas toi? Ah, comme c'est bon d'avoir de nouveau des amis. Oui, il est bon d'avoir de nouveau. Elle a parlé tard. Oh, les frissons. Oh, alors c'est là que tu te caches. J'aime bien ta voix. Viens, tout le royaume est impatient de connaître sa sauveuse. C'est la première fois que Tara, elle parle. C'est beau. Adrianou. Mets en arrière ton passé, tu n'es plus seul maintenant. Voilà. C'est bien pour conclure cette histoire. Bon, les crédits de fin. Bon bah j'espère que t'auras apprécié cette série. Moi je l'ai fait à la base pour redécouvrir, pour vous montrer un peu le principe du jeu. Jeu vachement méconnu. Donc voilà, tu me diras en commentaire ce que t'en as pensé. Pour les vidéos bonus, pareil, tu me dis en commentaire. Comme j'ai dit, je ferai vraiment des petits condensés, des vidéos courtes qui arriveront je sais pas quand. Ça dépend en fait de mon envie. Bon, je vais te laisser sur les crédits de fin. Sur ce, porte-toi bien. Et à la prochaine, c'était Agito.